Ces images à présent, images d'un feu de forêt de bambou à Soulou, commune de Tsingoni. Plus d'un hectare parti en fumée. Déclaré aux alentours de 18h hier, 20 pompiers étaient mobilisés durant plus de 7 heures pour circonscrire l'incendie. Ce matin, ils étaient de nouveau sur le site en plein hiver austral. Les soldats du feu craignaient une reprise de l'incendie. Écoutons l'adjudant Laitidine Abdul Karim. On est arrivé là depuis hier l'après-midi vers 16h. Quand on est arrivé là, on a constaté qu'il y avait plus d'une dizaine de pieds de bambou qui étaient en feu. Donc là, tout de suite, on a appelé du renfort, les collègues à l'extérieur et le chef de groupe. Donc tout ce monde-là sont présentés. Il y avait Kahani, Longoni, Akua et le chef de groupe et le chef de colonne. Donc on a essayé de mettre, éteindre le feu jusqu'à tard dans la nuit. Après l'avoir maîtrisé, on est rentré à la caserne. Et là, ce matin, vers 5h du matin, il n'y a que Kahani qui est venu pour une reconnaissance. Et là, on a constaté qu'il y a quelques pieds de bambou qui ont encore du feu au niveau des racines. Donc là, on est en train de les noyer pour qu'il n'y ait pas de reprise de feu.